Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à expliquer notamment la leçon étude des ressources minières en Côte d'Ivoire. Le thème géologie. Chers amis, nous allons encore vous apprendre dans cette vidéo à connaître la définition de géologie et la définition de pédologie. La pédologie est l'étude consacrée au sol. La géologie est l'étude consacrée à la terre, d'où les roches. Chers amis, il y a une différence entre géologie et pédologie. Dans cette vidéo, je vais consacrer mon temps à parler plus de la géologie, ainsi que de la leçon étude des ressources minières en Côte d'Ivoire. Chers amis, comment faire face à votre propre coup? Maîtrisez les différentes informations de votre groupe avant d'attaquer un exercice. Sur ce, je vais vous apprendre à faire un très bon résumé à la maison, puis aborder plus facilement les exercices au cours d'un devoir. Thème, la géologie. Leçon, étude des ressources minières en Côte d'Ivoire. Hypothèse 1. Les ressources minières se rencontrent-ils partout en Côte d'Ivoire? La question reste posée. Hypothèse 2. Existent-ils différentes méthodes de prospection et d'exploitation minière? Hypothèse 2. Question à répondre. 1. Généralité. Il s'agit là de savoir définir la géologie. Qu'est-ce qu'un minerai? 1, 2, un gîte métallifère. 2, la méthode. 2, 1, la méthode directe. Et en 2, 2, la méthode indirecte. En 3, les roches. 3, 1, les roches magmatiques. En 3, 2, les roches sédimentaires. En 3, 3, les roches métamorphiques. En 4, les catégories ou classements de gisements. En 4.1, les gisements primaires. En 4.2, les gisements secondaires. En 5, technique fondamentale du gisement alluvionnel. 5.1, la technique de la bâtie. 5.2, localisation de cette technique appelée la bâtie. 6, les aspects. 6.1, aspects négatifs. 6.2, aspects positifs. 7, les exploitations. 7.1, exploitation à ciel ouvert appelée la découverture. Si vous voulez faire des exercices, vous êtes obligé de maîtriser d'abord votre propre cours. Commençons. Première technique, suivez le plan de mon travail et essayez de comprendre au fin fond de mon explication. Ici, nous allons passer dans un premier cas appelé la généralité. La généralité, c'est de donner le concept de la géologie. Chers amis, qu'est-ce que la géologie? La géologie est l'étude consacrée à la terre ou aux roches. Donc je reprends, la géologie est l'étude consacrée à la terre ou aux roches. Nous allons parler en même temps d'un minerai. Chers amis, qu'appelle-t-on un minerai? Un minerai est tout simplement un ensemble rocheux contenant des substances en quantité suffisante pour justifier son exploitation. On reprend, un minerai est un ensemble de roches contenant des substances en quantité suffisamment importante pour justifier son exploitation. Avez-vous compris la définition? En 1-2, un gîte métallifère. Chers amis, qu'est-ce qu'un gîte métallifère? Un gîte métallifère est le lieu ou l'endroit où l'on rencontre des minéraux en pourcentage suffisant pour justifier son exploitation. 2, les méthodes. Il existe deux types de méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer donc
à la résolution du plan détaillé de secours. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la suite. Alors, en un, généralité. Nous allons parler de la géologie. La géologie est la science qui étudie la Terre. Ou du moins, la géologie est l'étude consacrée à la Terre ou aux roches. La géologie est la science qui étudie la Terre ou les roches. Chers amis, voici donc la définition de la géologie. La géologie est la science qui étudie la Terre ou les roches. Nous allons partir en un minerai. Chers amis, qu'appelle-t-on minerai? Un minerai est un ensemble rocheux contenant des substances en quantité suffisante pour justifier son exploitation. Un minerai est un ensemble rocheux contenant des substances en quantité suffisante pour justifier son exploitation. Chers amis, voici donc la définition d'un minerai. Un minerai est un ensemble rocheux contenant des substances en quantité suffisante pour justifier son exploitation. En 1, 2, chers amis, nous allons parler d'un gisant métallifère. Un gîte métallifère. Chers amis, qu'appelle-t-on gîte métallifère? Un gîte métallifère est le lieu ou l'endroit où l'on rencontre les minéraux en quantité ou en pourcentage suffisant pour expliquer ou encore justifier son exploitation. Gîte métallifère est le lieu ou l'endroit où l'on rencontre des minéraux. En pourcentage suffisant pour justifier son exploitation. Chers amis, nous venons de voir la définition d'un minéraux et la définition d'un gisant métallifère. Passons donc en deux. Il s'agit donc des méthodes. Vous devez savoir qu'en géologie, il y a deux types de méthodes.
la méthode directe et la méthode indirecte. Qu'est-ce que vous devez savoir, cher ami? Il existe deux méthodes. La méthode directe et la méthode indirecte. À quoi sert la méthode directe et à quoi sert la méthode indirecte, cher ami? Suivez attentivement. En 2-1, la méthode directe. Cher ami, à quoi sert la méthode directe? Elle consiste à analyser les minéraux tout simplement. Elle consiste à analyser les minéraux tout simplement. On peut donc citer la prospection alluvionnelle, la prospection géochimique et la prospection géologique. Alors, la méthode directe consiste à analyser les minéraux On peut citer les prospections ce sont les recherches les prospections alluvionnaires les prospections géochimique et les prospections géologiques. Chers amis, la méthode directe possède trois prospections. La prospection alluvionnaire, d'où est tirée les alluvions, la prospection géochimique, en recherchant les objets ou les matériels chimiques et les prospections géologiques. Chers amis, parlons donc en deux de la méthode indirecte. L'importance de la méthode indirecte. Elle permet de déterminer la nature, la texture, la teneur du gisement. La méthode indirecte permet de déterminer la nature, virgule, la texture, virgule, et la teneur du jugement. Chers amis, quelle différence il y a entre méthode directe et méthode indirecte? La méthode directe permet d'analyser les minéraux, quant à la méthode indirecte, permet de déterminer la nature, la texture et la teneur du gisement. On peut donc citer quelques prospections. La prospection électrique, la prospection géophysique, la prospection radiométrique, la prospection sismique et la prospection magnétique. On peut citer la prospection électrique,
la prospection. Géophysique, la prospection. Magnétique, la prospection. Radiométrie, et fini par la prospection sismique. Alors, dans la méthode indirecte, il existe en effet 5 prospections. La prospection électrique, la prospection géophysique, la prospection magnétique, la prospection radiométrique et la prospection sismique. Chers amis, passons donc à l'étape 3, appelée donc les roches. Nous allons voir en 3.1 les roches mathématiques. Chers amis, les roches mathématiques. Notre première supposition est que les ressources minières se rencontrent-ils partout en Côte d'Ivoire? Nous allons donc parler plus des roches mathématiques. On y trouve de l'or, le diamant, le manganèse et la bauxite dans les roches mathématiques. On y trouve l'or, le diamant, le manganèse la bauxite. Chers amis, voici ce que l'on trouve dans la roche ou dans les roches magmatiques. En 3.2, parlons encore des roches sédimentaires. Qu'est-ce que l'on trouve dans les roches sédimentaires? Dans les roches sédimentaires, l'on trouve l'or, le diamant, le manganèse et la bauxite aussi. On y trouve l'or, le diamant, le manganèse, et la bauxite. Chers amis, passons donc en 3.3, les roches métamorphiques. Métamorphique. Dans les roches métamorphiques, l'on trouve le fer. On y trouve le fer. Chers amis, nous allons terminer sur les roches. Passons donc en 4 les classes de gisements. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il existe 2 classes de gisements.
les gisements primaires et les gisements secondaires. Dans la catégorie des gisements primaires, l'on a les gisements magmatiques, les gisements filoniens et les gisements de faille. Les gisements magmatiques sont appelés tout simplement gîtes en amas. Quant à gisements secondaires, l'on trouve plus simplement les gisements secondaires d'altération et les gisements secondaires alluvionnaires. Si ce, je vous demande de suivre attentivement la suite. En 4, l'on parlait des classes des gisements. Nous faisons donc allusion à la classe primaire et à la classe secondaire concernant les gisements. Donc il existe deux types de classes, la classe primaire et la classe secondaire. On parlera donc de gisements primaires et gisements secondaires. On aura en 4.1, comme notre nom le dit, les gisements primaires. Qu'est-ce que vous devez retenir sur les gisements primaires? Les gisements primaires sont caractérisés par la cristallisation fractionnée, la montée du magma et la concentration des métaux. Alors, les gisements primaires sont caractérisés par la cristallisation fractionnée, par la montée du magma et enfin la concentration des métaux. Chers amis, les gisements primaires sont caractérisés par la cristallisation fractionnée, la montée du magma et la concentration des métaux. L'on peut donc citer dans ces gisements-là trois types. Les gisements magmatiques du nom de gîte en amas. On peut citer quelques éléments. Que sont le premier, nous allons parler gisement magmatique ou gîte en amas. Chers amis, gisement magmatique ou gîte en amas. En deuxième tiret, gisement filonien. En troisième tiret, gisement de faille. Les failles sont les cassures, les fissures, les défauts. Nous allons donc reprendre les gisements primaires. Les gisements primaires sont caractérisés par la cristallisation fractionnée, la montée du magma et la concentration des métaux. On peut donc citer quelques gisements qui sont le gisement magmatique, parfois appelé gîte en amas, gisement filonien où se trouvent les filons et le gisement de faille. Chers amis, passons donc en cas de
secondaire. Chers amis, quelle est l'importance du jugement secondaire? Les jugements secondaires sont caractérisés par le transport des métaux, le dépôt de ces métaux-là, puis l'accumulation de ces métaux et finit par la concentration même de ces métaux. Les gisements secondaires sont caractérisés par le transport. Le dépôt. L'accumulation. Et la concentration des métaux. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle un métaux? Il s'agit donc de la masse rocheuse. Permettant d'engendrer des revenus. Quand je parle de revenus, je fais allusion à l'argent. Chers amis, qu'est-ce que nous pouvons citer en termes de jugements secondaires? Ces jugements, dans ces jugements-là, on aura le jugement secondaire résiduel d'altération, jugement secondaire alluvionnel. Ou du moins ça, gisement résiduel d'altération. On peut citer quelques gisements comme le premier tiret, le gisement résiduel d'altération. Pour retrouver ce jugement, c'est au sommet de la roche magmatique. Il se trouve au sommet de la roche magmatique. On aura le jugement résiduel alluvionnel, mais on pourra dire en même temps le jugement alluvionnel. Le jugement alluvionnel est aussi appelé le paléoclasé. Il s'agit bel et bien du gisement alluvionnel. Ce gisement-là se trouve près de la rivière. Chers amis, nous venons donc de finir le numéro 4. Passons donc au numéro 5. La technique fondamentale du jugement alluvionnel. Quelle est la technique fondamentale du jugement alluvionnel? L'on peut citer la technique de l'abatté. Et qu'est-ce que c'est l'abatté, cette technique-là?
Nous allons donc ici vous parler de cette technique avec une définition extraordinaire. La technique de la batterie. Nous allons parler du cas numéro 5. Technique fondamentale du gisement alluvionnaire. On parlera donc en 5.1 la technique de la batterie. Chers amis, quelle est la définition de la technique de la batterie? Cette question vous reste posée. Quelle est la définition de la technique de la batterie? La technique de la batterie consiste à rechercher les minéraux dans les cours d'eau, dans les sédiments, à travers des récipients appelés les calebasses. Nous allons reprendre. La technique de la batterie consiste à rechercher les minéraux dans les cours d'eau, dans les sédiments, à travers les récipients appelés donc les calebasses. La technique de la batterie consiste à rechercher les minéraux dans les cours d'eau, virgule, dans les sédiments, à travers les récipients appelés les calebasses. Vous vous trompez pas, il s'agit donc des mêmes calebasses. À travers ce récipient, l'on va filtrer certains métaux et laisser passer les métaux qui ne nous arrangent pas. Il s'agit donc de calebasses utilisées pour faire cette expérience. On peut donc utiliser aussi les passoires. Chers amis, nous allons donc passer en 5.2 qui nous dit la localisation de cette technique. La technique de la batterie se produit dans les gisements alluvionnaires. Alors nous allons mettre en 5.2 localisation de cette technique. L'on parle de la technique de la batterie. La technique de la batterie se localise ou se produit dans les gisements alluvionnaires. La technique de la batterie se produit ou se localise dans les gisements alluvionnaires. Donc, c'est dans les gisements alluvionnaires
que l'on peut trouver la technique appelée la batterie. Chers amis, nous allons passer au cas numéro 6, les aspects. Qui parle de aspects? Parle de aspects positifs et aspects négatifs. Au cours de la recherche de l'or, du diamant, l'on effectue des opérations. Ces opérations peuvent parfois amener même à la mort. On aura la déforestation, la désertification, l'éboulement conduisant même à la mort. Ça, ce sont les aspects négatifs. Quels sont les aspects positifs? La rentabilité, l'amélioration des qualités des vies et la création d'emplois. Chers amis, sur ce, nous allons poursuivre différemment. 6. Les aspects. Comme je l'avais dit, on a donc deux aspects, les aspects négatifs et les aspects positifs. On parlera d'abord, dans un premier temps, des aspects négatifs. Ici, parfois à la recherche de l'or, il peut y avoir les éboulements, tremblements de la terre. Ça va donc causer la mort. On aura éboulement et perte en vie humaine. Les aspects négatifs sont éboulement et perte en vie humaine. En deuxième tiret, la déforestation. En troisième tiret, la désertification. En quatrième tiret, la pollution des eaux et de l'air. Alors, éboulement, perte en vie humaine, la déforestation, la désertification, la pollution des eaux et de l'air. Chers amis, partons aux aspects positifs. Chers amis, nous allons citer la création d'emplois, donc les aspects positifs sont... Le premier tiret, la création de l'emploi. En deuxième tiret, la rentabilité. Quand je parle de la rentabilité, c'est d'avoir l'argent, l'amélioration de la qualité de vie. Chers amis, je ne suis pas du tout d'accord avec certains professeurs qui disent qu'il y a la prostitution. Je ne suis pas du tout d'accord parce que la prostitution ne fait pas partie des aspects positifs.
qui ne font pas aussi partie des aspects négatifs. Parce que je parle de des ressources minières. À quoi la prostitution peut engendrer? Rien. Nous allons poursuivre. Et en 16, nous allons parler de l'exploitation. Donc en 16, les exploitations. Ici, l'homme rencontre en secteur d'après le goût, exploitation à ciel ouvert. L'exploitation à ciel ouvert porte le nom aussi de découverture. Ici, cher ami, qu'est-ce qu'une exploitation à ciel ouvert ou une découverture? La découverture ou l'exploitation à ciel ouvert consiste à mettre à nu la zone minéralisée, c'est-à-dire les terrains morts. L'exploitation à ciel ouvert ou découverture consiste à mettre à nu la zone minéralisée. On dira que l'exploitation à ciel ouvert est affleurant à la surface. Elle est affleurant. À la surface. C'est-à-dire qu'on rencontre ça à la surface. Elle se fait en moins de 10 mètres. Voici donc l'exploitation à ciel ouvert. Lorsque elle se fait en moins de 10 mètres ou elle est affleurant à la surface, l'on parlera de découverte ou exploitation à ciel ouvert. Chers amis, parlons donc en 16 de l'exploitation souterraine. 16.2. Exploitation souterraine. Chers amis, comme son nom l'indique, sous la terre. Ici, on parle de mort terrain. Exploitation souterraine est en profondeur. Elle se fait en profondeur. Donc, elle permet de pénétrer la zone minéralisée. L'exploitation souterraine consiste à pénétrer la zone minéralisée. Elle consiste à pénétrer. Quant à l'exploitation à ciel ouvert, consiste à mettre à nu la zone minéralisée. Alors, l'exploitation souterraine consiste à pénétrer la zone minéralisée et elle n'est pas affluent, c'est-à-dire elle se fait en profondeur de terre.
Alors, on dirait donc en mathématiques qu'elle est située dans l'intervalle 10 à plus infini. Chers amis, nous allons passer en 8 ans le schéma annoté des gisements et fini en beauté. Si ce que vous demande de suivre attentivement. Alors, chers amis, en 8 schéma annoté des gisements. Voici donc à quoi va ressembler ce schéma et vous devez impérativement connaître tous les 12 noms. Ça va dépendre des différentes numérotations que le professeur va t'exiger. Alors, nous partons de 1 jusqu'à 12. Vous devez savoir le comportement que va posséder ce schéma. C'est pas compliqué à maîtriser, c'est très simple. Alors, chers amis, nous allons passer tout en parlant en ordre du cas numéro 1. Ici, la partie faite en grec porte le nom de protérozoïque. Alors, annotons le schéma. Ici, en numéro 1, on parlera donc de protérozoïque. Alors, protérozoïque. En bâtonnet minuscule. En numéro 2, ça se trouve au sommet de la roche magmatique. Alors, comme ça se trouve au sommet de la roche magmatique, on appelle gite résiduaire d'altération. Alors, chers amis, numéro 2, nous avons dit que ça se trouve au sommet de la roche magmatique. Alors, d'où le nom gite résiduaire d'altération. Numéro 3. La partie en pointillé est appelée archéenne. On écrit plutôt archéenne, mais on dit archéenne. Numéro 4. Le numéro 4, c'est le schéma long. Alors ce schéma est appelé gite filonien. Le numéro 5. L'endroit où vous allez voir les plus d'un schéma de géologie porte le nom de roche magmatique. C'est très simple. Si vous voyez plus dans un schéma de géologie, il s'agit donc de roche magmatique. Roche magmatique. Cher ami, le numéro 6. Il s'agit de gîte ou gisement magmatique appelé gîte en amasse. Gîte en amasse. Appelé gisement magmatique. Le numéro 7. C'est trop grand au plus bas de la rivière. La rivière est représentée en bleu, comme c'est une rivière. Alors, au plus bas de la rivière porte le nom de gite ou gisement alluvionnaire. Gite alluvionnaire. Le numéro 8. Il s'agit donc des fissures, des failles, des fissures, des côtés anormaux, les côtés anormaux. On voit que bien. Alors, il s'agit des fissures, des failles. Le numéro 9. Le schéma sous forme de Z en alphabet.
porte le nom de paléoplacé. Si vous voyez un schéma sous forme de Z, c'est le paléoplacé. Sous forme de Z est le paléoplacé. Le numéro 10. Ici, c'est très simple. Ce sont les alluvions. L'alluvion est dans cette partie-là. Le numéro 11, ce schéma qui fait venir aussi les traits, on appelle ça gitan ou gisement de faille. Le numéro 12, c'est la rivière et à ses extrémités se trouve le gitan alluvionnaire. Alors c'est la rivière. Chers amis, nous allons répondre. Le numéro 1, protée rosoïde. 2, gîte résiduel d'altération. Numéro 3, archéen. Numéro 4, gîte filonière. Numéro 5, roche magmatique. Numéro 6, gîte en amas, appelé gisement magmatique. 7, gîte alluvionnaire. 8, faille. 9, paléoplacé. 10, alluvion. 11, gîte de faille. 12, rivière. Chers amis, alors nous sommes à la fin de cette vidéo, mais sachez bien que les deux hypothèses données dans le cours étaient les ressources minières se rencontrent-ils partout en Côte d'Ivoire? Alors, chers amis, il fallait répondre, oui, les ressources minières se rencontrent partout en Côte d'Ivoire. Hypothèse 2, existe-t-il différentes méthodes de prospection de l'exploitation minière? Oui, il existe différentes méthodes de prospection de l'exploitation minière. Alors, nous avons donc dit que, à travers tout ce qui a été relaté, nous pouvons dire que les ressources minières se rencontrent-ils partout en Côte d'Ivoire, nous avons dit. Oui, d'après tous les faits relatés, nous pouvons dire que les ressources minières se rencontrent partout en Côte d'Ivoire. Et notre deuxième hypothèse, c'est aussi de confirmer qu'il existe des différentes méthodes de prospection. Il existe des différentes méthodes de prospection. Nous pouvons citer la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe va faire venir des prospections alluvionnaires, géochimiques, géologiques. Et la méthode indirecte va faire venir les méthodes de prospection électriques, magnétiques, sismiques, radiométriques et géophysiques. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Merci Daniel.